Ce vendredi 28 mai 2021 a été organisé au sein du lycée Baminata Diallo l'ouverture du Café Scientifique, un programme de formation et d'information scientifique des jeunes filles des lycées Notre-Dame du Niger et Baminata Diallo. Je trouve que ce lancement est très important parce qu'il nous encourage à aimer la science et à choisir des séries scientifiques pour devenir des scientifiques. Selon la présidente de la Jeune Société du Savoir, ce programme vise à susciter l'intérêt pour la science et mener une vocation scientifique chez la jeune fille. Au dit de Madame la proviseure du lycée Baminata Diallo, ce café littéraire prévoit de former et de préparer la jeune fille à la vie sociale grâce à son contenu diversifié. Nous avons plus d'un millier de filles. Et c'est sûr qu'elles vont aller avec d'autres idées, qu'elles vont aller avec ce qu'elles ont appris pendant ce lancement-là. Et surtout qu'il y a des cafés littéraires en venir. Donc c'est sûr que... Elles vont participer en nombre à ces cafés littéraires, dont les thématiques sont tout ce qui les concerne, la nutrition, l'environnement, la santé, donc le savoir-faire et le savoir-vivre. Les filles en ont besoin et je sais que ça va projeter beaucoup les sciences à notre niveau. Pour Laurent Vidal, directeur de l'IRD au Mali, ce programme scientifique doit être initié au sein de l'établissement pour toucher encore plus de jeunes. On veut pouvoir appuyer la formation des plus jeunes à la recherche et à la science. Et donc cette activité, ça permet de sensibiliser les jeunes filles du lycée à la recherche, à la science, pour peut-être éveiller leur intérêt pour faire des carrières dans ce domaine-là. Alors, je pense que toutes les universités, toutes les institutions de recherche devraient mener ce type d'activité pour sensibiliser les jeunes à la recherche et à la science. Ça, je crois que c'est indispensable. Ensuite, il faut à partir de là créer des partenariats avec des lycées. Nous, on en a un avec le lycée Baminata Diallo. On en a un aussi avec le lycée Notre-Dame du Niger, où c'est le même principe. On travaille avec des élèves pour leur apprendre des rudiments de science, en quelque sorte.